Salut les touristes, donc nouvelle vidéo, j'ai eu l'occasion de trouver ce produit chez Noroto et donc on peut en trouver aussi sur Amazon, je vous mettrai le lien, donc c'est Clean Caravanning, donc c'est censé nettoyer et détacher aussi les traces noires, ah, toutes ces traces là qu'on peut voir et là-bas aussi, donc moi j'ai essayé pas mal de produits, il n'y avait rien qui marchait, donc on va voir si ça marche. On peut du coup nettoyer, détacher, puissant pour les carrosseries, coffres, matières galvanisées, les bâches au vent, capucines, etc. N'endommage pas les stickers et autocollants pour les moteurs dilués entre 15 et 25% du produit. Ça supprime les traînées noires, redonne de la brillance aux jantes alu, supprime le film statique et laisse un déperlant protecteur final permettant de lutter contre les agressions du temps. Pollution entre parenthèses. Pour l'intérieur, nettoyant puissant pour les fours, micro-ondes, réfrigérateurs et autres. Supprime le calcaire, nettoie parfaitement les vitres, tableau de bord, le bois, le vernis, l'aluminium, l'inox et le chrome. Redonne de la brillance aux pare-douches, salle d'eau, WC, nettoie efficacement les joints, détache les cuirs et simili les moquettes, tapis, tissus. Bon. Et c'est soi-disant 98% biodégradable. Produit écologique, voilà. Bon, produit écologique, mais il y a quand même ce logo-là. Enfin bref. Du coup, on va tester. On va tester. Je suis tombé là-dessus par hasard il y a 2 semaines que j'ai acheté ça. Du coup, on va voir ça. J'utilise une vieille éponge, mais pas ce côté-là, bien sûr. Bon, ça a l'air pas tout mal, il y a encore une petite, mais... Ça a l'air de bien nettoyer quand même. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. Hein. Encore une là, deux traces. Hop, vous voyez en même temps comment je filme. Donc, en même temps, je pense que ça pourrait pas être mal de l'expliquer. Donc j'ai le micro pour la GoPro. Donc la GoPro est là. Ça c'est pour le son. Donc c'est un boîtier qu'on rajoute. Et ça c'est le support d'origine dans laquelle on peut acheter la GoPro et aller fixer là-dessus. Donc je m'en sers en support en fait. Donc vous voyez, par contre là-dedans, si vous ajoutez tout,
ça vaut vraiment un petit prix. J'en mets un peu de savon. J'en mets un peu de savon sur mon éponge. Bon bah. Ça a l'air effectivement de partir sans trop frotter non plus. Impeccable, ça supprime du coup ça supprime bien les traces noires. Ah bah ça a l'air bien comme produit. Je suis pas payé. Donc je suis pas payé par la marque, hein, je le rappelle, mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi je teste. Alors pareil, j'ai commencé un petit truc. Voilà, j'ai mis une ligne rouge juste là. J'ai l'impression que ça fait ça termine vraiment bien la peinture. Donc j'ai acheté ça, bah pareil à Noroto, j'ai acheté ça en même temps en fait. Je suis désolé, on voit le micro en même temps là, la petite moumoute là. Ouais, je vais essayer de le retendre un peu plus haut. J'ai acheté ça et puis bah, je vais peut-être faire le tour du camping-car du coup. Faire en haut. Et puis du coup en dessous, mais c'est vraiment dur à poser. Hein, parce que là si on regarde, ça se voit pas trop, mais ça fait une petite vague quand même. Puis il faut que les découpes soient super bien précises. Sinon ça va se décoller au moindre coup de karcher ou autre. Et donc la petite phrase vers l'infini et l'au-delà. Je vous les ai pas montrés, mais hop, ils sont là.
Ça fait un petit peu caricaturé, mais voilà. Et sinon, il y a Woody qui est là. Donc, je vais essayer de garder plein de choses. Si vous avez des choses de Toy Story et que vous s'en servez pas, bah écoutez, ça m'intéresse. Voilà, si je peux en mettre un peu partout dans le camping-car. Bon là, lui je l'ai mis là, mais il va bouger de place. Eux, c'est pareil, je vais les remettre là, et puis je vais mettre un colson, un petit collier aux mains, pour qu'ils se donnent la main et qu'ils soient toujours du même côté. Voilà, sinon, bah, à l'intérieur, pour l'instant, c'est toujours pareil. Là, c'est gros rangement sur les accessoires GoPro. Alors ça, c'est pareil, je l'ai utilisé dans ma vidéo vacances, mais je sais pas si vous vous êtes rendu compte. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Hop, et donc c'est ça. En fait, on met la GoPro dedans. Et donc, ça permet de filmer dans l'eau. Et ça donnait un bel aperçu. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous en êtes rendu compte ou pas. C'est pas pour avoir des commentaires, hein, mais voilà. Bon, voilà pour la vidéo, je vais continuer tout mon rangement, là je suis en train de tout débarrasser, faire encore des voyages à la déchetterie. Du coup, ouais, j'hésite à vendre la GoPro, je sais pas. Donc là, on peut voir le micro Rode avec bah, le support, là la GoPro, bah, je suis en train de faire le montage vidéo. Le petit boîtier pour transformer le son. Donc voilà, j'hésite vraiment à la vendre. Alors je vais voir si tous les accessoires que j'ai sont adaptables sur la GoPro Hero 8. Parce que c'est vrai qu'elle a l'air vachement bien. Mais par contre, bah ouais, si je mets tout bout à bout, déjà rien que là, le boîtier, le micro, et ouais, enfin voilà, vendre ça, bah ça va. On arrive vite à plus de 350€. D'occasion, donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de le revendre ou pas, je sais pas. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Voilà, bon ben, je vous dis à bientôt, et puis ben, c'est pareil, vous voyez, j'ai encore des accessoires, ça c'est un minuteur, c'est pour faire des timelapses tout en tournant, que j'ai pas encore utilisé non plus, donc voilà, il y a plein de choses que j'ai pas encore utilisé, que je sais pas si je vais garder ou revendre. Bref, voilà, je vous dis à bientôt, bon courage, salut.